c'est qu'après 3, il y a servi pour dire à 29. Et ça, dans l'évangile, il y a des gens au niveau du chapitre 6, il y a des chapitres 5, et parfois, tu bon Dieu te prend 2, il y a une façon pour servir la 30 plutôt. Parce que les gens sont frappés seulement. Moi-même qui là, j'étais frappé pour la main divine, pour devenir jeune Christ. Donc j'étais frappé. Pendant 16 ans, nous, les gens, on a prié pour moi. Nous avons dit toutes les paroles. Le roi, je disais, mon père, je vais retourner vers ça. Oh, oh, eh. Mais l'air, il faut côté. Mon Dieu descend, il poussait pour être lui. Et puis il te frappe, Tibor. Bon, il frappe, Tibor. Mon Dieu fait 3 ans, frappé, à pour être lui. Mettez-moi, c'est haut. Fais-moi crier ça. Fais-moi traîner. Même si je te fais soit traîner, hein. Si Jésus pas te frappe ou t'as connu comme ça, si Jésus pas te frappe, donc nous voulons dire, là nous dit Jésus frappe, on retire la paix, nous retirons la violence par nous, nous mettons repentance par Jésus, mais Jésus pas jamais frappé pour craser. Et ça qu'on apprend dans le livre Ézéchiel 18, verset 23, bon Dieu dit ce que je désire. N'est pas que le méchant meurt. Oh my God! Il veut détourner de sa voix et qu'il vive. Donc, le bon Dieu, ou dit bon Dieu, frappe le méchant. Bon Dieu, pas le méchant pour tout il va le méchant pour le changer. Donc c'est un appel à la paix. Pour qu'il y ait une repentance, c'est la paix. Depuis que nous sommes là, ou pas pour la paix. Mais si bon Dieu frappe, a bien repentance, a bien la paix. Et ça fait, monsieur, yo, Pierre et Jean, t'es venu bien la paix avec Paul, parce que Jésus t'a frappé, Paul. Oh, il frappé, Paul. Oh, l'homme vient d'expliquer, pasteur. Alors, je vais t'entendre fond comme ça, pasteur. Et je vais t'en version graine sirette là, version de Rangéa, version pilule là, l'isbergen, il dit, oh, il dit bien, pendant que je suis là, je suis là, m'bral dans ces règles dans la machine là et m'bral mandé pour le frapper pour frapper pasteur yo. Là pas bon Dieu avec nous pas pour un petit break il s'en met 2 sessions à plus seulement et parce que nous pouvons faire pasteur Mab et 2 sessions donc et avant nous pas jouer m'bral regarder ça m'a dit tout parce que nous prenons la réagir quand même mais nous pas et pour invitation de pas invitation pour ouais côté nous il en progression well déjà et depuis la croix et donc nous allons passer le pour vous et puis pendant ça même on réagit et toujours avec samedi et puis réagit tout à vidéo ou à regarder donc on a là et nous allons regarder soit écrit et puis on a là ou à Pierre la croix Christian Center. C'est une nouvelle église qui fait couvrir Port-li dans la communauté haïtienne. Pailaqua Christian Center is a new church in the Haitian community. Au mois de mai 2020, alors que l'épidémie COVID la fait commencer à battre aux États-Unis, dans Connecticut, il y a plus d'une vingtaine de jeunes haïtiens américains qui font partie d'un groupe depuis 20 ans qui a étudié la Bible avec un pile notion théologique et de prière aussi, décidé de mettre sous pied yon l'église pour génération ça Pierre la croix. In May 2020, at the beginning of the COVID pandemics, a Bible study and prayer group of about 20 young Haitian Americans in Connecticut decided to form a new church for this generation. Yo te gen à la tête yo 3 leaders, pasteur Ronel Richardson, pasteur Davidson Dagrin et pasteur Thibaut de Nazareth. Entre yo, qui gen plus que 35 années d'expérience pastorale. This group was led by 3 pastors, who had more than 35 years of pastoral ministry experience between them. They were Pastor Renel Richardson, Pastor Davidson Dagrin, and Pastor Thibaut de Nazareth. Après un pile planification, un pile étude, un pile la prière surtout, après 2 40 jours de jeûne entre eux, le groupe s'est grandi jusqu'à plus d'une centaine de jeunes leaders aux États-Unis, dans plusieurs États, Canada et Haïti. After lots of planning, studies and prayer events including 40-day fasting, the group grew to more than 100 young leaders from Canada, Haiti and several states in the US.
Après 3 ans et demi, en octobre 2023, groupe l'a décidé ouvrir un programme de prière et on veille de nuit tous les vendredis soirs de 8h à minuit. In October 2023, after 3.5 years, the group decided to start a watch night prayer every Friday night. Pendant 6 mois, bon Dieu t'a accompagné groupe ça, na activité ça qui était un gros succès. God approved the Friday night prayer program. It was a success for the intended 6 months of its existence. C'est comme ça, en mars 2024, le groupe la TV a acquéri un gros espace et il a décidé de bâtir un temple à l'Éternel. So, in March 2024, the group leased a pretty big empty industrial space and started the ambitious project of building a temple for God. C'était un coquin défi, puisque temple ça, il doit refléter grande gloire de l'Éternel et aussi grande mission ça pour génération. It was a great challenge. The temple had to reflect the greatness of our God and the grandeur of our vision, even though we were only starting. Défi a été plus gros toujours, lors considérer ces 2-3 leaders qui mettent ensemble pour dépenser presque moitié million de dollars dans la construction du temple, alors que pas de qu'on peuple, pas de qu'on assemblée, pas de qu'on congrégation. Ils ont voulu commencer à lever des fils à côté, c'est pas comme peuple, mais c'est comme eux-mêmes, ensemble avec Zamio, qui pour mettre ensemble, pour bâtir le temple à l'Éternel, et puis pour peuple à venir, venir adorer, sans qu'elle saute. The challenge was even bigger, considering that it was only a few leaders who had to come up with hundreds of thousands of dollars by themselves. There were no congregation to lean up on, no assembly to contribute financially. The goal was to build a church where the people could just come to worship and praise, with peace in their hearts. Construction a duré près de 4 mois, avec un pile effort, un pile sacrifice. Petit monde, grand monde, tout le monde mettait main, tout le monde mettait cerveau, tout le monde mettait poche. With a lot of sacrifice, the construction lasted about 4 months. Adults, children, men and women, everyone was involved in making the project a reality. Malgré que sauté, malgré défi sous défi, bon Dieu t'es campé à groupe ça. Despite the fears, despite the stumbles, God stood with the group through all the challenges. And the project was going from miracles to miracles. Jour de dimanche 5 mai 2024, d'après la dictée de l'Éternel, d'après la demande du Saint-Esprit, groupe là te fait premier service ensemble en bas construction. On Sunday, May 5th, 2024, following the Holy Spirit's revelation and command, the group had their first Sunday prayer service, even though the construction was still going on. Construction a continué, malgré un pile de dépenses qui a multiplié dans affaires pour l'équipement, son, instruments, dernier cri, dernier modèle, avec dernier caméra, avec computer et tout ce qu'on a en l'église qui a besoin, et même ça nous pas connaît. The construction was going forward, even when the expenses were multiplying with top-notch sound equipment, instruments, cameras, computers, lighting fixtures and other technical materials. C'est comme ça, dans le mois de juin 2024, premier service dimanche était ouvert aux membres fondateurs, leurs familles,